Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, cette capsule, je voulais vous parler des questions. Vous savez, ces petites questions que l'on se pose au quotidien sans vraiment y prêter attention, mais qui pourtant ont un pouvoir immense sur les résultats que nous obtenons dans notre vie. Si aujourd'hui vous n'êtes pas satisfait des résultats, des réponses que vous avez dans votre vie, c'est peut-être parce que vous ne vous posez pas les bonnes questions, les vraies questions. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, mais notre esprit, notre inconscient, adore les questions. Il aime tellement ça que d'une, il ne les remet pas en question, il ne cherche pas à savoir si la question est bonne ou pas, mais surtout, il va faire tout son possible pour nous donner la réponse. Simplement, quand l'inconscient nous donne une réponse, il ne vient pas nous le dire dans le creux de l'oreille, il ne vient pas se mettre en face de nous pour nous dire « Hey, j'ai trouvé la réponse à ta question ». C'est ça. La seule chose qu'il peut faire, c'est nous faire vivre l'expérience. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Expérience à vivre, ça ne fonctionne pas. À toi de comprendre les pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que nous apprenons par l'expérience. Nous apprenons, nous comprenons avec l'expérience. Notre esprit nous donne à vivre des expériences qui répondent à nos questions. Mais si l'expérience que je suis en train de vivre ne me plaît pas, c'est peut-être parce que je n'ai pas posé la bonne question. Pourquoi je m'entends jamais avec mes collègues? Bam, conflit. Pourquoi mes enfants ne m'écoutent pas? Bam, les enfants font ce qu'ils veulent. Pourquoi j'ai jamais de chance? Bam, encore un truc qui vient de se passer qui me montre que j'en ai pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Ouh, là je commence à avoir mal. Mais je suis encore en train de vivre une expérience qui me montre que ça ne fonctionne pas. Pourtant, les réponses, elles sont là. Change de stratégie, parle différemment, pose les bonnes questions, demande de l'aide. Peu importe. Mais tout ce qu'on voit, c'est le résultat. Et parce que le résultat ne nous plaît pas, on essaie de comprendre pourquoi. Mais plus on cherche à comprendre pourquoi, plus l'expérience se reproduit. Tu prends le mur. Pourquoi j'ai pris le mur? Je sais pas. Bam, moi je reprends le mur. Ah, je comprends pas, je prends tout le temps le mur. Pose-toi les bonnes questions. Donc, l'idée est que si vous reprenez le contrôle des questions que vous vous posez au quotidien, vous allez vous rendre compte que vous pouvez commencer à changer les résultats que vous avez au quotidien. Bien entendu, au-delà du pouvoir que ces questions vont avoir sur votre vie, ne vous dites pas que en vous posant simplement une fois la bonne question, vous aurez nécessairement la bonne réponse qui arrive tout de suite. C'est qu'est-ce que vous faites le plus souvent? C'est quelles sont les habitudes qui sont à la base de votre quotidien qui vont vous fournir les résultats? Si sur 10 questions dans la journée, et il y en a beaucoup plus que ça, mais si sur 10 questions dans la journée, vous vous en posez deux fois la bonne question, ça veut dire que la majorité du temps, vous posez les mauvaises. Et ce sont celles-là qui vont influencer votre vie. Pas les deux petits moments où vous allez vous dire « Tiens, je vais me poser la bonne question, comme ça j'aurai la bonne réponse. » Ça va aider. Mais l'habitude reprendra le dessus, et c'est ça qui va agir sur votre vie. Alors pour éviter... Vous savez, cette petite réflexion, on a l'impression qu'il y a un petit diable dans la tête qui se fait plaisir de torturer toutes nos idées et de nous pousser à penser de la mauvaise façon. Plutôt que de vous dire « Ah, j'aimerais bien y arriver, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir obtenir ça », ce qui est une très bonne chose. Je ne dis pas de ne pas le faire, mais le risque, c'est qu'en étant comme ça, vous avez une partie de vous qui va dire « Bah non, tu sais à quel point t'es mauvais et que tu n'y arriveras pas ». Et puis de toute façon, rappelle-toi toutes ces expériences que tu as vécues et qui t'ont montré à quel point tu étais mauvais. Il y a toujours quelque chose en nous qui va venir transformer cette idée pour qu'elle prenne une tournure beaucoup plus négative. Donc on va se servir de l'addiction de notre cerveau aux questions. On va mettre la réponse dans la question, comme ça il ne pourra pas la remettre en question. Me demande pourquoi je vais arriver si facilement à faire ça aujourd'hui. J'aimerais bien comprendre pourquoi cette fois-ci avec mon collègue je vais réussir à communiquer efficacement et qu'on va trouver une solution.
Je me demande pourquoi dans peu de temps je vais réussir à trouver un travail. Moi qui suis tout le temps fatigué le matin, eh ben je me demande pourquoi, mais demain matin, je vais être en pleine forme. Bien entendu, les questions que vous posez de cet ordre-là ne vont pas nécessairement vous donner l'expérience à vivre tout de suite. On n'est pas sur un moteur de recherche où on appuie sur entrée et paf, le résultat y arrive. Mais si vous posez suffisamment de fois, si vous répétez suffisamment ces questions, ça va devenir alors un nouveau mode de fonctionnement pour vous. Et dans ce cas-là, eh bien, votre esprit va mettre la priorité pour trouver les réponses. Là où il faut faire attention, c'est que lorsque vous posez ces questions, vous posez de vraies questions. Vous savez, quand vous êtes là à vous dire « ça s'est pas passé comme je voulais, ça se passe jamais comme je veux ce truc-là, et je comprends pas pourquoi, et ça me saoule, et j'aimerais bien comprendre. » Vous avez envie de comprendre. Vous avez au fond de vous ce besoin de comprendre. Il faut que vous mettiez la même intention, la même intensité de volonté de comprendre pourquoi ça va marcher, pourquoi vous allez y arriver, pourquoi vous allez obtenir votre résultat. Parce que si vous posez juste la question en disant « Julien m'a dit de poser une question positive, comme ça, ça allait se produire, alors ben, je me demande pourquoi je vais mieux m'entendre avec mes enfants à partir de demain. » Et puis que vous commencez à vous dire ben, « Peut-être qu'ils vont faire un effort, peut-être que ceci, peut-être que cela. » Non, vous êtes en train de chercher la réponse avec votre conscient, avec votre logique du moment. Ça ne peut pas marcher. Par contre, ce qui peut fonctionner, c'est avoir cette envie au fond de vous de l'avoir, cette fichue réponse, de la vivre, cette fichue réponse. Pourquoi je vais bien m'entendre avec mes enfants ce soir au dîner? J'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de le savoir. Et parce que j'ai envie de le savoir, mon cerveau, il va se mettre en route et il va faire tout ce qu'il faut, y compris ce dont je ne me doute même pas une seconde et qui pourtant serait utile pour changer les choses. Il va le produire pour moi, il va me faire vivre l'expérience, et là je vais me dire « Ah bah ça alors, ça s'est bien passé ce soir. Comment pas pourquoi? C'est bizarre. Je comprends vraiment pas pourquoi ça s'est si bien passé ce soir. Mais je comprends pas non plus pourquoi ça va bien se passer demain. J'aimerais bien le savoir. » Et vous augmentez. Vous augmentez votre niveau de réponse positive, d'expérience positive, juste en vous posant la bonne question. Vous n'aurez pas nécessairement la réponse tout de suite, vous n'aurez pas nécessairement la réponse demain, dans une semaine, ça sera peut-être dans un mois. Mais plus vous allez vous répéter cette question positive, ces questions positives, plus ça va avoir un impact sur vos pensées, vos actions, et du coup vos résultats. Parce que toutes les pensées que vous avez vont déclencher en vous des émotions. Que vous les ressentiez ou pas, elles vont déclencher en vous des émotions. Ces émotions vont vous faire faire des choix qui vous paraîtront purement logiques, mais qui sont avant tout des choix émotionnels. Et puis, ça va vous pousser à faire des actions. Et ces actions vous amèneront des résultats. Si le résultat ne vous plaît pas, c'est que tout le schéma doit changer. Le schéma de pensée, le schéma émotionnel, le schéma d'action. Et pour ça, vous pouvez utiliser le système des questions. Changez les questions que vous utilisez, et alors, vous pourrez changer le résultat que vous avez. Donc faites ça, c'est un exercice qui est relativement simple, et même pour vous aider aujourd'hui, je vais vous donner deux astuces. La première astuce, ça va être de prêter attention à toutes les questions que vous vous posez pendant la journée, et vous les notez, juste pour vérifier si la réponse que contient la question est valide ou non. Si la réponse vous plaît, alors vous pouvez garder cette question. Si la réponse ne vous plaît pas, alors je vous invite à changer la question. Ça, c'est la première chose. Vous écrivez, vous notez simplement, eh bien, si, pour voir si la question est bonne. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi pour augmenter le résultat que vous allez obtenir, c'est de vous poser ces questions avant d'aller vous coucher. Ouais, je vous assure,
vous allez vous poser ces questions juste avant d'aller dormir. Vous savez, ces soirs où vous êtes là, vous dites « Oh, je sais pas pourquoi, mais demain, je sens que je vais être fatigué. Je sais pas comment je vais faire demain, je suis sûr que ça va être une journée qui va être pourrie. » C'est quoi le résultat que vous obtenez le lendemain? Eh ouais, vous le connaissez. Vous le savez déjà à quel point ça a un impact sur votre vie, ça a un impact sur les résultats que vous obtenez. Il est temps de mettre tout ça en conscience et d'agir efficacement. Donc, posez-vous la bonne question. Le soir arrive, juste avant d'aller vous coucher. Hein? Je sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien savoir pourquoi demain je vais être si en forme. Je vais me sentir si bien. Je sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien comprendre comment ça se fait que demain je vais trouver la solution au problème. Faites-le. Bien entendu, encore une fois, si le résultat n'arrive pas demain, c'est pas parce que ça marche pas. C'est juste parce que vous avez trop pris l'habitude de fonctionner avec les mauvaises questions et qu'il faut changer vos habitudes. Il faut changer le momentum dans lequel vous êtes installé. Ça demande un peu d'effort. Momentum, c'est événement, réaction, événement, réaction, événement, réaction, événement, réaction. Si l'événement n'est pas bon, j'ai une mauvaise réaction. L'événement suivant ne sera pas bon, j'aurai une mauvaise réaction. Si l'événement me plaît, j'ai une bonne réaction. Je déclenche un nouvel événement positif, je déclenche une nouvelle réaction positive, etc., etc., etc. Donc, répétez, répétez, encore, encore. Retenez bien que nous sommes des animaux d'habitude. Si nous comprenons ça et si nous acceptons l'idée que nous fonctionnons sur des principes de programmation la plupart du temps, si le résultat ne vous plaît pas, changez la programmation et les questions que vous vous posez au quotidien, eh bien, ça fait partie de tout l'ensemble de programmations sur lesquelles on fonctionne au quotidien et qui soit peuvent nous permettre d'aller de l'avant et d'obtenir des résultats de malade, soit nous empêcher de bouger d'ici et de rester complètement bloqués en se demandant « Pourquoi j'y arrive pas ?» D'accord ? Changez vos questions. Si vous changez vos questions, vous changez la réponse. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Notez les questions qui vous viennent à l'esprit dans la journée, vérifiez qu'elles soient positives et sinon, on switch. Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça fonctionne si facilement ? N'hésitez pas à y mettre du cœur en plus et exagérez vos questions. Mais ça doit rester des questions, des vraies questions auxquelles vous ne cherchez pas de réponse. Et puis, le soir, juste avant d'aller vous coucher, posez-vous une super question. Une question tellement positive que le lendemain, vous n'allez pas avoir le choix que de la vivre, de vivre cette expérience, cette réponse positive qui va vous expliquer pourquoi. Mais comme vous allez faire exprès d'être imbécile, eh ben vous ne comprendrez pas pourquoi. Donc vous reposerez encore la question. Aujourd'hui, j'ai passé une super journée, mais je ne comprends pas pourquoi. Je vois pas pourquoi je passe des journées aussi bonnes. Et vous continuez, jusqu'à ce que vous soyez installé dans un nouveau momentum. Et je peux vous garantir qu'une fois que le momentum est lancé, il ne reste plus qu'à l'entretenir après. Et ça marche tout seul. Par contre, il faut faire des efforts. Donc faites l'effort aujourd'hui, faites l'effort demain. Appliquez, et vous verrez ce qui va se passer. Je vous invite à peut-être noter quelles sont les questions que vous allez vous poser à partir de maintenant pour avoir de bons résultats. Mettez-les juste en dessous de la vidéo, vous savez, en commentaire, peut-être pour pouvoir inspirer les autres à se poser plus de questions positives. Pourquoi je vais réussir à faire ça? Pourquoi ça va fonctionner? Comment ça se fait que je vais aller là? Comment je vais arriver à obtenir ce résultat-là? Peu importe, que des questions positives qui vont vous amener à atteindre le résultat que vous souhaitez. Et puis, si par la suite vous souhaitez peut-être mettre en commentaire qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Eh bien, ça sera peut-être une bonne chose de partager cette réussite avec les autres. Donc, commentez, partagez aussi cette vidéo. Cet outil que je vous offre aujourd'hui, vous pouvez l'offrir aussi à quelqu'un. Peut-être que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui se pose pas du tout les bonnes questions. Et plutôt que de l'entendre se plaindre tout le temps, vous pourriez peut-être lui glisser gentiment cette petite vidéo pour lui donner un outil pour passer à autre chose, pour passer à l'étape suivante, pour gravir un petit peu plus l'échelle, pour avoir une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus positive. En tous les cas, je vous remercie pour votre attention, merci aussi pour la mise en application de ça dans votre vie, parce que
Plus vous allez le faire, plus vous allez pouvoir briller et plus vous pourrez rendre ce monde lumineux. N'oubliez jamais à quel point vous êtes extraordinaire et à quel point vous pouvez faire la différence dans ce monde. Je compte sur vous pour continuer à faire tout votre possible pour développer la meilleure version de vous-même. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule. Merci encore.